Alors de retour dans le centre des Baux-de-Provence, nous sommes devant cette fenêtre à Meneaux. Hein. Mmh. Quand on arrive ici, forcément, c'est l'une des premières choses que l'on voit. Absolument, nous sommes au cœur du village. Et c'est la fenêtre sur laquelle est inscrite l'inscription protestante, mmh. Post tenebras lux, c'est-à-dire après les ténèbres, la lumière, mmh. Qui était la devise des protestants de Genève, qui est toujours la devise de Genève d'ailleurs. Donc c'était un témoignage des guerres de religion en Provence et de l'importance des protestants au milieu du XVIe siècle, puisque cette fenêtre, vous voyez, elle est datée, mmh. Elle est de 1571, c'est-à-dire du moment où, en France, il y avait toutes ces luttes entre les catholiques et les protestants. Au milieu du XIXe siècle, quand on a créé cette rue ici, cette rue n'existait pas. À la création de cette nouvelle rue, qui s'appelle la rue Neuve, le bâtiment a probablement été détruit en partie. Puis ce qui est très intéressant, c'est que ça fait un bel ensemble avec en face le bâtiment qui abrite aujourd'hui la mairie des Baux-de-Provence, et qui était autrefois l'hôtel de Manville, donc habité par la famille de Manville, qui était une famille qui était venue au Baux-de-Provence au début du XVIe siècle et qui a construit, entre autres choses, ce magnifique bâtiment qui était un bâtiment qui restait tout à fait comme il était à l'époque. Il est magnifique. Hein. Oui, c'est une très très belle maison qui est simple dans son architecture, comme l'est d'ailleurs d'une façon générale l'architecture des Baux, puisqu'on est dans une place forte militaire, mm-hmm. On est à l'époque protestante. Donc tout ça, ça appelle peu de fioritures dans le décor, mais un décor qui était à la fois élégant et sobre, et qui est très très caractéristique du décor des Baux. Alors nous nous dirigeons vers le musée des Santons. Oui, on va se diriger vers la place Louis-Joux et le musée des Santons, qui est un des endroits les plus sympathiques du village, vous allez voir. C'est un musée qui se visite en période estivale ou toute l'année? Toute l'année, c'est un musée qui est gratuit, qui est ouvert toute l'année. Donc nous sommes sur la place de l'ancienne mairie, puisque l'ancienne mairie était dans le musée des Santons, que nous allons visiter ensuite. Mmh. Et cette place est très jolie parce qu'il y a en particulier cette belle maison qui est derrière nous, qui est une maison qu'on appelle la maison du connétable, parce que la tradition dit que le connétable Anne de Montmorency, qui a été baron des Baux pendant une longue partie de sa brillante carrière, habitait dans cette maison quand il est venu au Baux. Donc c'est une maison qui a été construite au milieu du XVIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la corniche, sur chaque console, il y a un chiffre. Et quand on regarde, on voit 1569, c'est-à-dire la date de la construction de la maison, d'accord. Avec au milieu cette amusante tête de personnage. Bon, on ne sait pas trop qui c'est. Peut-être c'est le baron de Montmorency, on ne sait pas. Et c'est une maison qui a été habitée par Louis Joux, qui était un graveur, sculpteur, imprimeur, mm-hmm. Assez extraordinaire. Et c'est Louis Joux qui a fait les sculptures qui sont sur la façade, c'est-à-dire la Vierge. Que l'on voit là, au-dessus de la fenêtre. Mm-hmm. Et le bouquet qui est au-dessus de la porte. D'accord. Et c'est une maison qu'il a habitée pendant un certain temps, avant de la laisser à la famille Larousse, et qui était aussi dans l'édition, comme son nous nom l'indique. Voilà, tout ça, tout à fait. Vous pouvez vous aussi arpenter les chemins de garrigue qui mènent ici pour admirer évidemment les Baux-de-Provence de loin sur son piton rocheux avec le château en fond. C'est splendide pour des balades magnifiques en famille évidemment. On va partir du côté des carrières de Sarraguen. Nous partons à la rencontre de Pascal Bourgier, un passionné qui va nous parler de blocs de pierre, séquence extraction. Mmh.
territoire au beau de Provence. Nous sommes sur les carrières de Sarraguin en compagnie de Pascal Bourgier. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes sur l'une des dernières carrières en exploitation ici sur le site de la commune des Baux de Provence. Voilà, tout à fait. Et vous gérez en fait cet endroit depuis une quarantaine d'années. Vous allez nous parler un petit peu de l'histoire justement de cette carrière. Oui. Alors, elle appartenait à qui au départ ? Bien écoutez, ça a été créé donc il y a à peu près un siècle et demi par la famille Xavier. C'est donc la quatrième génération. Et ensuite, ils ont commencé à extraire derrière au pied des Baux pour agrandir une route, enfin pour agrandir un chemin. Qui donne maintenant, bien sûr, sur Mayanne, sur Tarascon. Ouais, la hauteur est impressionnante, un siècle et demi d'exploitation. Ah, quand oui, on voit les assez, colonnes qu'on arrive, fait, voilà, on se sent tout petit, là. Voilà, exactement. Bon, c'est une grande carrière où il y a des plafonds à 20 mètres de haut, quoi. Donc, voilà, c'est des ouvertures de 10 mètres, en gros, quoi, et 20 mètres de haut. C'est pour ça que c'est un lieu tout à fait particulier, quoi. On va aller voir comment on extrait, sûr, justement, le calcaire. On vous suit, alors. Allez, allons-y. Allez. Combien de personnes travaillent ici ? On est 6 personnes. Nous allons aller voir les hommes qui travaillent en ce moment. Voilà, voilà. Si vous voulez, on va procéder par ordre. Vous allez voir plusieurs étapes. Alain. Marlène, enchantée. En plein travail ? Ouais. Ouais. Tout voilà, blanc, vous aussi. Ah oui, voilà. Oui, ici, c'est couvert. Ici, c'est obligé. Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors, comment ça se passe ? C'est quelle machine que vous Alors, utilisez ? Alors, bon, on va un peu vous expliquer, ouais, ensemble. Allez-y. On coupe avec une machine qu'on appelle une laveuse ou une blotteuse. Quoi. On coupe les horizontalement. Hein, si, mettons, d'accord, on a une face, on coupe horizontalement. Ouais, ensuite, on a une autre machine qui permet de couper. Donc, on tourne la même machine. On coupe verticalement. Et ensuite, donc, quand toutes les coupes sont faites, sur à peu près 3 hauteurs, c'est là où c'est particulier, c'est qu'on fait par traction, on fait éclater le bloc derrière. On dégage la machine, mm-hmm. Et ensuite avec des pommelles et un coin, on met dans les traces, on met ces deux pommelles, les pommelles, c'est deux plaques de fer tout simplement, un coin au milieu, et on frappe donc sur le coin pour faire éclater le bloc par le fond. Quoi. Donc là, on rentre dans la partie débitage. Voilà, voilà, tout à fait. Ça, c'est l'atelier où viennent les blocs bruts. Ils sont en fonction des demandes des listes de pierre qu'on a à faire. Ils sont déjà coupés en tranches. Le souci, c'est aussi et ça, c'est très important, quoi. C'est de sortir le maximum du minimum. Et ça, c'est pas du tout évident, quoi. Donc, il y a des astuces, quoi. Bon, il y a beaucoup de manutention. Et là, c'est pareil, c'est quand même pas un petit poste parce que, bon, il faut, pour la sécurité, c'est pareil, il y a beaucoup de manutention. Il faut connaître un petit peu comment manutentionner pour éviter de se faire mal, que les pierres ne glissent pas. Alors, donc, il y a plusieurs solutions. Les élèves, comme actuellement, les dépenses, ça bloque, il y a, voilà, donc, et puis il y a beaucoup d'imagination pour arriver à gagner du temps dans la manutention et savoir, justement, sortir le plus possible de morceaux, quoi, d'éléments dans une tranche. Bon, là, une fois que les éléments sont débités, alors je vais vous montrer la dernière étape. Alors là, c'est l'atelier donc, de taille de pierre, gravure, sculpture, quoi, avec Sam. Ouais. Et donc, tailleur de pierre. Tailleur de pierre, d'accord. Et là, il est en train de nous préparer un linteau de cheminée, qui est tout à fait particulier. C'est une cheminée Louis XV, d'inspiration Louis XV et feuillage. C'est très intéressant. Donc là, on voit le dessin, voilà, qui a été fait au préalable. Voilà, préparation de... Et après, on suit le dessin. Très belle cheminée. Très belle cheminée. Oui, elle a l'air. Hein. Ah, ouais. Alors là, il a la chance de faire un des meilleurs travaux de tous les deux. Donc là, vous avez Gilbert, bonjour, qui est aussi tailleur de pierre aussi. Et qui lui prépare des entourages de portes et fenêtres. Là, c'est un peu plus mécanique. Alors, d'un coup, c'est pour l'un, d'un coup, c'est pour l'autre. On travaille, on partage un peu. On partage.
Nous sommes ici dans l'ancienne mairie qui abrite le musée des Santons. Mmh. On retrace ici l'histoire évidemment des Santons, mmh. Pan important de l'histoire du sud. De la Provence. De la Provence bien particulièrement. Bien sûr, tout à fait. Et on parlait tout à l'heure des Santons napolitains, on les voit ici dans cette magnifique vitrine. Tout à fait. Alors là, il y a une magnifique collection de Santons napolitains du XVIIe et du XVIIIe siècle qui sont spectaculaires parce qu'ils ont des visages et des mains qui sont sculptés avec une finesse incroyable. Mm-hmm. C'est une belle collection et ça nous rappelle l'histoire des Beaux et l'histoire des seigneurs des Beaux qui sont allés pendant un certain nombre d'années se battre et vivre dans le pays de Naples. Et puis tout autour, il y avait sûr des Santons provençaux de différentes époques, du 19e siècle, des Santons plus récents, du 20e siècle, des Santons habillés, des Santons d'argile, et derrière nous, une grande crèche qui représente la cérémonie du pastrage au Beau-de-Provence. Vous voyez, nous sommes sur la place de l'église et le défilé des bergers, des bergères et des rois mages va rentrer dans l'église. Mm-hmm. Et vous savez que chaque année, à la messe de minuit, c'est une des attractions du village des Beaux. C'est un musée que les touristes aiment bien parce qu'il est sympathique, parce qu'il y a des vitrines à la hauteur des enfants, mm-hmm. si vous voyez là. Mais ce oui, qui voilà. permet aux gamins de regarder de près les petits Santons. Et puis c'est très caractéristique de la Provence et du village du Beau en particulier. Peuvent emprunter ce long escalier que l'on voit qui part du bas pour arriver jusqu'à cette nouvelle entrée du village. Non seulement ils peuvent, mais ils doivent. Ils doivent c'est entre... obligatoire. Non, ils doivent entrer au beau par ici. Parce que c'est l'ancienne entrée du village, en fait. Il n'y avait pas d'entrée de l'autre côté. Mm-hmm. L'entrée qui existe de l'autre côté, qui permet aujourd'hui de faire entrer des véhicules mm-hmm. dans le village des Beaux, a été créée au milieu du 19e siècle. Donc elle n'existait pas et tout le monde rentrait par ici. Et c'est ce qu'on appelle la porte des guerres. La porte des guerres, parce que probablement, c'est la porte qui permettait de descendre à la fontaine et d'aller chercher l'eau. Donc, cette porte des guerres est une porte qui date de l'époque du Moyen-Âge, qui a été reconstruite plusieurs fois. Et lors de la dernière construction, le marquis des Beaux, qui à l'époque était le Hercule de Grimaldi, a fait sculpter au-dessus de la porte, mm-hmm. ces armoiries qui ont été ensuite martelées à la Révolution. Mais donc, on voit qu'il en reste. Il reste ce cartouche, mais il faut avoir beaucoup d'imagination pour deviner qu'il s'agit des armoiries de la famille Grimaldi. Et cette porte était la dernière d'une série de portes qui permettait l'accès au Beau, et qui est un accès très, très protégé et très fortifié, parce qu'il y avait d'abord un pont-levis, une série de trois portes, mm-hmm. et on arrivait in fine à cette porte qui est la seule qui nous reste. Alors la porte est d'époque, elle date, d'après ce qu'on dit, du 15e siècle. C'est un témoignage réel de l'histoire des Beaux il y a quelques siècles. Et puis ça permet d'imaginer comment les gens des Beaux fermaient la porte tous les soirs et se protégeaient des intrus pendant la nuit. Mais voilà, monsieur voilà. le maire, nous arrivons au terme de la visite. Il faut imaginer le défilé de dames qui portaient les cruches pleines d'eau pour alimenter en eau le village, parce qu'il n'y a pas d'eau dans le village. Donc il fallait descendre dans le vallon, à la source, chercher l'eau et la remonter.